Bonjour les enfants, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Parashat Beshalach et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'assez étonnant. Juste après que nous sommes sortis d'Égypte, alors bien sûr, Pharaon se rendit compte de son entre guillemets erreur et va courir derrière le peuple juif pour les ramener en esclavage chez lui à la maison. Mais à ce moment-là, le peuple juif va lever les yeux au ciel en disant « Hachem, aide-nous, fais quelque chose !» Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Hachem a dû ramener encore une fois Pharaon pour que le peuple juif prie à lui. Alors je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour, un roi qui se promenait dans la campagne se rendit compte qu'il y avait une femme qui était toute seule, qui était perdue dans la forêt après une attaque et qui criait « À l'aide, au secours !» Alors le roi arrive, la protège, la sauve et la ramène au palais. Il la trouve si gentille qu'il décide de se marier avec elle. Mais à force de la connaître, il se rendit compte qu'elle n'était pas si gentille que cela. Alors il eut une idée pour rappeler à sa femme comment est-ce qu'il avait été présent le jour de sa détresse, le jour où elle a été attaquée. Il fit semblant d'avoir une attaque contre la reine. Et lorsqu'elle vit ça, elle dit « Mon roi, s'il te plaît, viens à mon secours !» De la même façon, Hachem aime la prière du peuple juif. Il n'attend que ça, votre prière, les enfants. Alors pourquoi attendre à ce qu'il fasse une fausse attaque contre nous? Faisons la prière tous ensemble. Et ainsi Hachem nous écoutera et il nous donnera plein de bénédictions. Bonne journée.